Pour la majorité des manufacturiers et des constructeurs, la saison 1995 des rallyes débute bien avant le Monte Carlo, situé à la fin du mois de janvier. C'est le cas de Renault, qui dès l'été 94 sort au soleil la future Kit Car. Élaborée sur la base de la Clio Groupa, la modification la plus visible concerne l'élargissement des ailes avant et arrière. C'est une grosse évolution avec des performances qui normalement devraient être très supérieures aux anciennes versions 91, 92, 93, 94. C'est Jean Ragnotti qui est chargé d'effectuer les premiers tours de roue, des roues au diamètre élargi qui permettent l'utilisation de freins plus grands. Quand la Clio Maxi s'éloigne, le visage des mécaniciens se fige à l'écoute du moindre bruit suspect et dans l'attente du premier verdict du pilote. Il y aura des trucs à travailler, mais pour un premier jet, c'est bien. La deuxième modification concerne l'aérodynamisme avec un béquet avant largement ajouré et l'adjonction d'un aileron arrière pas encore dans sa forme définitive. Alain Oreille et Philippe Bugalski travaillent également au développement du prototype. Moi, c'est le premier aller-retour que je viens de faire. C'est une voiture apparemment qui est bien née, qui est sympa à piloter. On a l'impression d'avoir, c'est pas qu'une impression, il y a un peu plus de puissance. Comportement est complètement différent, donc il faut rouler pour bien la comprendre. La dernière modification concerne le moteur qui doit gagner une quarantaine de chevaux. C'est surtout l'élargissement des voies et les pneus Michelin de 17 pouces qui devraient permettre l'amélioration des performances. Définitive, mais nouveau look. C'est la voiture présentée au Mondial de l'Automobile. Elle bénéficie des dernières modifications aérodynamiques et techniques obtenues à la suite des résultats des nombreux essais. L'échappement est de type 3 en 1, la boîte à crabeaux possède 6 ou 7 rapports, le moteur devrait flirter avec les 260 chevaux. Les arbres bientôt recouverts de guirlandes blanches annoncent la venue de l'hiver, l'occasion pour la Maxi de chausser ses premiers clous. Concours de lancer de chien. Fausto le chien joue avec son maître, ou l'inverse. Pendant ce temps, l'élève Bugalski apprend. Puis c'est au tour de Ragnotti de prendre le volant. Côté de Vichy, à l'avant-veille du rallye de Monte-Carlo, que les deux Clio, dans leur livrée grise de la Diac, effectuent leur premier roulage. Les mécaniciens soignent les derniers détails et effectuent la première mise en route sur les deux Maxi, parachevée la veille au soir. Les pilotes se glissent alors dans leur siège baquet pour régler leur position de conduite. L'Ardèche et la neige, c'est le terrain choisi par l'équipe Mitsubishi pour arrêter ses choix en matière de pneumatiques.
Lasse Lampi qui pilote le plus souvent la Lancer Evolution 2. Tommy MacKinnon et Andrea Aguini sont déjà en reconnaissance et si Ericsson est absent de la manche monégasque, il remplacera l'Italien en certaines occasions pour défendre les couleurs de la marque au diamant. Toujours la neige, mais la Haute-Loire pour Ford et Michelin. Les deux pilotes, Bruno Thierry et François Delecourt, sont sur place. Le moteur de l'escorte, comme celui des autres Groupe A suralimentés, a perdu une soixantaine de chevaux à la suite de la nouvelle réglementation. Flagrant sur l'asphalte, le phénomène est atténué sur la neige. C'est avec Philippe Dunabine à ses côtés que François débute les essais pneumatiques. De nombreux allers-retours pour vérifier notamment l'endurance des différentes gommes, François rentre à la base et commente ses impressions avec son ingénieur. La gamme des clous n'est pas très différente de celle de l'année passée, mais c'est surtout la limitation des pneus pour 95 qui inquiète les différentes équipes. C'est le cas de Subaru et de leur pilote vedette Carlos Sainz. C'est toujours le fidèle Luis Moya qui est assis à la droite de Carlos. Impreza ne connaît pas de modifications notables par rapport à 94. Côté détail, la commande de boîte de vitesse semi-auto sur le volant a été agrandie pour en faciliter le maniement. Côté pneumatique, Pirelli développe une copie conforme du système anti-crevaison de Michelin, l'ATS. Mais pour Sainz, aujourd'hui, il s'agit de tester les pneus clous sur l'asphalte. Retour à son assistance, Carlos top sa machine. Avec les nouvelles règles sur les pneumatiques, les pilotes devront choisir un type de pneu pour deux spéciales. Si la première est enneigée et la deuxième sèche, ou le contraire, le choix risque d'être cornélien. «
La vraie nouveauté, elle se situe chez Toyota avec la nouvelle Celica qu'il faut développer et le retour d'Armin Schwartz après 2 ans chez Mitsubishi. L'Allemand enchaîne essai sur essai après la terre en vue du Portugal, puis l'asphalte, le voilà sur la neige afin de se familiariser au maximum avec sa nouvelle monture. L'obscurité et le froid donnent faim, mais n'empêchent pas les mécaniciens d'avoir de l'humour entre deux interventions. Dans les rallyes modernes, les tests se multiplient pour revêtir une importance capitale dans le développement et la préparation des voitures. Pour Schwartz, c'est un facteur déterminant du résultat. Aussi, Armin s'y consacre à fond avec pour preuve l'état de sa combinaison. Après avoir classé les pneumatiques mises à sa disposition, l'Allemand tente d'améliorer la motricité de sa voiture grâce à différentes barres anti-roulis. Mais déjà, pour le pilote, son retour au sein du Toyota Team Europe est une victoire. I'm very happy to be back in the team and I have a very good feeling with everybody here. I like to be here and like to work together with everybody and I must say it's a very very professional team. It's a very big difference for that what I know. And like TTE is, I mean, it's the best team for sure. Le lendemain matin, c'est au tour de Kankkunen de confirmer les premières orientations. Seul un petit kilo, sans doute dû aux fêtes de fin d'année, empêche le Finlandais de fermer du premier coup son harnais. Mais très vite, tout rentre dans l'ordre et Juha s'élance, retrouvant ses marques avec une facilité déconcertante. Après la neige de l'Isère, l'asphalte des Cévennes pour Didier Auriol, champion du monde en titre, n'est pas encore tout à fait à l'aise dans sa nouvelle voiture. Cette année, réglementation oblige, les slicks sont interdits et de profonds sillons apparaissent sur les nouvelles enveloppes de Michelin. Je suis en train de me faire.
De retour à la base, les mécaniciens se jettent sous la voiture pour permettre au pilote de tester les deux ou trois différentiels mis à sa disposition. Didier conclut la journée avec un train de pneus clous. Spécial du rallye Monte Carlo qui déterminera les bonnes et les mauvaises orientations des différents constructeurs. Le championnat du monde des rallyes débute par l'incontournable et traditionnel rallye Monte Carlo et c'est de cette ville européenne que s'élance le parcours de concentration en direction de Valence. Cette année, c'est de Reims, où le champagne a déjà un goût de victoire, qu'ont lieu les vérifications techniques des principaux concurrents, les Français en particulier. Tout auréolé de son titre de champion du monde, Didier Auriol tient la vedette auprès des photographes et des télévisions, mais également auprès du public. Toujours secondé par son fidèle navigateur Bernard Occhelli, leur voiture abordera toute la saison, nouveau règlement oblige, le numéro 1. Il s'agit de la nouvelle Toyota Celica GT4, entreaperçue fin 94 aux mains de Juha Kankkunen. Pas de changement de voiture en revanche pour François Delecourt. La Ford Escort Cosworth est identique au modèle 94. Seule la décoration et le nom du coéquipier changent. Daniel Grataloup laisse sa place à Catherine François, championne de France en titre. L'autre escorte est confiée à Bruno Thierry et les deux voitures sont assistées par l'équipe RAS, déjà présente l'an dernier avec le pilote belge. La nouveauté chez Mitsubishi se situe du côté des pilotes. Tommy Mäkinen est confirmé pour 7 des seuls 8 manches qui composent cette année le championnat. Andrea Aghini échange lui son siège baquet avec Armin Schwarz. L'Italien conduira la deuxième Lancer, selon les épreuves, en alternance avec Kenneth Eriksson. Celle que tout le monde attend, c'est la Clio Maxi, la première kit car répondant à la nouvelle réglementation et homologuée dans les temps. Du côté des pilotes, on fait confiance à la fougue de Philippe Bugalski, qui a énormément participé aux essais de développement de la bête. Renault ne pouvait également se passer de l'expérience et de la popularité de son pilote porte-drapeau en la personne de Jean Ragnotti. La voiture suscite la curiosité, tout le monde y va de sa petite photo ou de sa petite question, histoire d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle race de voitures de course. Le look agressif et moderne
a déjà inspiré les réalisateurs de miniatures, soucieux de coller un peu plus encore à l'actualité. Le soir même, c'est sous le déluge, avec les flashs comme éclairs et le vrombissement des moteurs en guise de tonnerre, que la caravane du parcours de concentration se met en route, et ce pour un périple de 48 heures. Le numéro 8 maintenant. À Valence, au petit matin, c'est le départ du véritable rallye avec le parcours de classement et ses 6 spéciales. Côté Toyota, outre Didier, on compte sur Juha Kankkunen et Armin Schwarz. Tommy Mäkinen et Andrea Aguini représentent Mitsubishi. Côté Subaru, en plus de Carlos Sainz et de Colin McRae, une troisième voiture est confiée à Piero Liatti. Côté Ford, seulement 2 voitures pour Bruno Thirim et François Delecour. La première spéciale, Saint-Pierre-Villentraigue, longue de 30 km, donne la première physionomie du rallye. Les deux Subaru sont en tête avec McRae devant, comme d'habitude. Carlos Sainz n'est qu'à 5 secondes alors que François Delecour complète le premier tiercé. La surprise vient peut-être de la 4e place de Tommy Mäkinen alors que sous l'œil incrédule de la gendarmerie, Piero Liatti confirme le bon comportement général des Subaru en prenant la 5e place. L'autre surprise, c'est la 6e place de la Maxi de Bug. La Clio devance bon nombre de 4x4. Thierry qui a effectué un tête-à-queue. Aguini qui a pris des pneus trop tendres. Et surtout, colossale déception, les 3 Toyota sont relégués à plus d'une minute avec dans l'ordre Kankkunen, Schwarz et Auriol. Champion du monde et même devancé par Jean Ragnotti, auteur pourtant de 2 têtes à queue. Les concurrents doivent normalement parcourir 2 spéciales consécutives sans assistance et donc sans changement de pneumatique, résultat des nouvelles réglementations. Une dérogation néanmoins accordée pour l'épreuve de la souche, partiellement enneigée alors que la Fayolle était sèche. Chez Renault, Ragnotti joue la sécurité et part en clou. Bugalski tente le pari de partir en racing, Philippe perd sur la neige ce qu'il a gagné sur l'asphalte. C'est pire pour Jeannot qui sort de la route et perd plus de 2 minutes. Mauvaise spéciale également pour McRae qui sort de la route comme d'habitude et perd 2 minutes 30 alors que Sainz réalise lui son deuxième meilleur temps. Après sa contre-performance de la Fayolle, l'écurie Toyota prend le risque de chausser des pneus non cloutés. Auriol signe le deuxième temps à égalité avec Kankkunen. A contrario chez Ford, Delecour en clou n'est qu'à 1 seconde des Toyota. Gros joker pour Tommy Mäkinen qui effectue un 360 suivi d'une touchette tout en réalisant le 5e temps. Les vrais problèmes commencent avec les 2 spéciales qui suivent puisque maintenant il faut raisonner par paire. Le Burzé est partiellement enneigé mais Roche-Paul est seulement humide, voire sec. Les tactiques sont différentes mais tous les équipages embarquent 2 roues non cloutées dans leur voiture afin de les permuter eux-mêmes entre les 2 épreuves. À ce petit jeu, Carlos Sainz s'en sort le mieux avec le scratch dans la première en clou et seulement 30 secondes de perdu dans la suivante. Bien, pour le moment, bien. Ya veremos a ver cómo sigue todo. Y el coche? Coche bien, todo bien. Même stratégie pour Mäkinen qui ne perd qu'une dizaine de secondes sur la Subaru de tête malgré une permutation loupée. We have two different tires on the rear. Another without spikes and another with the spikes and front tires with the spikes. It was so mixed tire choice at the moment.
for this stage that it was so difficult. The car? Car is good. Coup de poker à demi réussi pour Delecourt qui abandonne une minute en mixte sur la neige mais arrache le scratch dans la suivante. La Burzée, c'était un choix vraiment risqué. Je savais de toute façon à quoi je m'attendais donc je suis parti quand même volontairement en T0. Maintenant, il ne faut pas parler d'une spéciale, mais il faut parler de couple de spéciales. Plus de sécurité chez Toyota où on embarque des pneus de rechange non cloutés pour les changer entre les deux spéciales en essayant même d'arracher les coups restants sur les autres pneus. Résultat, plus de constance, mais toujours pas de scratch. La première, pas un très bon temps, sans savoir pourquoi. Les deux autres, ok, correct. Ah, ok, not so bad, a little bit wet, but this tire regulations and this, it's more or less circus than driving rallies, but anyway. Oh, not so bad. We're still improving, learning the car a little bit, and now we have a very, very strange tire choice, with the rear with the snow tires, front intermediates, which makes no sense. But that's regulation, huh? Du côté de la Clio Maxi, encore un exploit de Bugalski qui signe le troisième temps dans Roche-Paul, alors que Ragnotti est désabusé par son début de course. Surtout la réglementation des pneus, quoi. Là, on a des pneus à l'avant des racing et à l'arrière, on a des pneus neige. Pas mal, mais bon, là, je me suis fait plaisir plus qu'autre chose parce que on avait fait un choix de pneus assez spécial. Mix devant et des neiges derrière et l'impression de conduire une berlinette même si j'en ai jamais conduit. Je me doutais un peu de ce que c'était. Et bon, c'est sympa quand même, mais c'était pas ce qui allait être plus efficace. Bon, enfin, on a attaqué. Dans les deux dernières épreuves de la journée, Jean Ragnotti sera handicapé par un boîtier électronique défaillant et il rejoint Valence à la 12e place. C'est mieux pour Philippe Bugalski, il entre dans le top 10, contrairement à André Aguini, très décevant sur l'asphalte. Après son excursion hors de la route, Macré revient en force en signant un deuxième scratch dans Saint-Bonnet-le-Froid, malgré une réglementation qu'il trouve lui aussi discutable. It's terrible, it's impossible. With the changing conditions, we have to have a tire choice every stage. On attendait mieux d'Armin Schwartz, 8e et devancé par Piero Liatti, qui découvre pourtant le Monte-Carlo. À 2 minutes pile du leader, on trouve la première Ford, celle de Bruno Thierry. Le Belge n'a qu'une seconde de retard sur Juha Kankkunen, 5e. Regulation, I mean, I don't even want to say what I think about them, but I don't like anyway. Déception également pour Didier Auriol. Un mauvais choix de pneumatique n'explique pas tout. Le moteur ou l'équilibre de la voiture sont peut-être en cause et le Français accuse un passif d'une minute cinquante. Oui, oui, c'est beaucoup de retard, mais de toute façon, bon, on fait ce qu'on peut. Bon, il n'y a rien d'autre, il faut continuer comme ça et puis on verra. Mais la voiture a un bon feeling. La meilleure opération est à mettre à l'actif de Tommy Mäkinen qui s'installe dans le trio de tête grâce à une régularité exemplaire. Un nouveau scratch dans la Louvet permet à Delecourt, second, de rester au contact de l'Espagnol. Demain, je vais essayer de me calquer un petit peu plus sur le choix de Carlos et les autres et faire mon petit bonhomme de chemin
C'est-à-dire que quand même demain j'ai des spéciales qui me vont tout à fait, telles que Saint-Jean-Royan, Saint-Michel-les-Ports, j'aime beaucoup aussi Sisteron-Thoar, la dernière. On verra. Carlos Sainz est toujours en tête, il possède 44 secondes d'avance. Para mañana queda un día largo y el rally acaba de comenzar prácticamente. L'étape commune relie Valence à Monaco avec une nuit de repos digne. Aujourd'hui, sur les 6 spéciales, 4 sont annoncées avec une portion de neige suffisante pour justifier l'emploi des pneus clous. Contrairement à hier, où il fallait choisir ses pneumatiques pour parcourir 2 spéciales, aux revêtements souvent différents, une dérogation autorise les assistants à changer leurs pneus, sauf entre la 3e et la 4e épreuve. Dans Saint-Jean-Royan, Carlos Sainz réalise le premier scratch, mais il laisse pratiquement 40 secondes dans Saint-Michel-les-Portes. Une spéciale qui permet à François Delecour, auteur du meilleur temps, de revenir à 10 secondes de l'Espagnol. Deux fois second, Tommi Mäkinen, comme la veille, se montre le plus régulier et parmi les plus rapides dès que la neige fait son apparition. A l'inverse, Macré alterne performance et contre-performance. Des deux spéciales suivantes, sans changement de pneumatique, toujours le nouveau règlement, la première est enneigée et la deuxième entièrement sèche. La plupart des pilotes choisissent alors des racines cloutées, un compromis qui ne fait pas de miracle. Après avoir perdu plus de 3 minutes dans un mur de neige, Bruno Thierry frise la correctionnelle dans le col de Menet. C'est plus grave pour Armin Schwartz. Après avoir tapé un rocher, il est obligé de parcourir la spéciale suivante avec sa roue arrière droite arrachée. Il perd 7 minutes supplémentaires. Ce n'est pas beaucoup mieux pour les autres Toyota. Didier Auriol laisse plus d'une minute dans Saint-Michel et Kankkunen, malgré un terrain qu'il affectionne, laisse s'envoler les secondes par dizaines. La neige ne fait pas non plus l'affaire des deux kit-cars Renault pénalisés par leur solde roue motrice. Philippe Bugalski limite les dégâts, mais Jean Ragnotti s'offre de nouveau une petite excursion dans le bas-côté. À l'assistance, malgré plus de 10 minutes de retard sur Philippe, Jeannot ne perd rien de son humour. Ça va, mais il y a des murs de neige qui ont traversé la route sans arrêt. Et je vais faire homologuer des spoilers en grande série. Interdit de se reposer pour les pilotes et les copilotes, c'est l'heure de l'auto-assistance. La spéciale suivante de Rosan est sèche. C'est l'âge de pierre. Il faut donc arracher les clous qui viennent de servir à franchir le col de Menet. Les mécaniciens ne peuvent que conseiller et regarder les pilotes qui, tout ruisselant de sueur, enlèvent un à un des clous qu'on a eu tant de mal à faire tenir. Le monde est fou. Chez Mitsubishi, Tommi Mäkinen fait un peu de mécanique, tandis qu'Agini et son coéquipier jouent de la pince à même la voiture. Chez Toyota, on est logé à la même enseigne, champion du monde ou pas. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est de la connerie, oui. C'est à quoi être... Ah, ça monte, peut-être. Pas d'exception chez Ford, la seule différence, c'est peut-être la force physique d'une frêle Catherine François, obligée non seulement d'arracher les clous, mais également d'aider son pilote mécanicien à changer les disques de frein avant, plus importants avec des pneus racing. Seuls les pilotes Subaru peuvent garder leurs gants de course, en effet,
il est pratiquement impossible d'arracher les clous sur des pieds réduits. Le cours ne s'est pas récupéré tout le temps, il est à 2 secondes devant. Vamos a tratar de seguir con el mismo ritmo a ver si podemos mantenerlo. De Lecour augmente son avance d'une trentaine de secondes avant de perdre coup sur coup presque une minute à la suite d'un sérieux coup de pompe et d'un éventuel mauvais choix de pneus dans le col de Fombelle. L'Espagnol récupère la première place et rallye digne avec 26 secondes d'avance sur le Français. En limitant les choix audacieux, Tommy Mäkinen sans bruit se rapproche des deux ténors. En racing clouté, apparemment le bon choix, Bruno Thierry sauve sa journée en réalisant le meilleur temps dans Sisteron. Scratch. Dans le clan Toyota, le moteur est toujours au banc des accusés. Juha Kankkunen est quatrième devant Didier Auriol. Armin Schwartz est toujours en phase d'apprentissage. I think I have to learn quite a lot more about the car and try a few things. Well, it doesn't work as we thought it works. But we have to try to find something for the Sweden. Ah, la voiture va bien et que le moteur marche pas. La légende de Fombelle s'abat sur l'équipe Subaru lorsque Colin McRae et Piero Liatti sortent de la route. Si l'Écossais renonce, l'Italien parvient à repartir après plus d'une demi-heure d'effort. Usciti in una curva molto ghiacciata, la più ghiacciata di quello che pensavamo. E siamo usciti sia noi che McRae. E adesso arrivavano altre macchine, uscivano tutti nella stessa curva. Sur le sec, les deux Renault retrouvent une partie de leur superbe. Souvent inadaptés les pénalisent. Bugaski et Ranotti occupent respectivement les 8e et 10e places. Après une courte nuit de repos, les équipages reprennent le volant pour une demi-journée de course, entrecoupée de 3 épreuves chronométrées. Chez Toyota, impossible apparemment d'améliorer les performances des voitures, on tente juste d'analyser le pourquoi du comment. Je suis très mal au départ, je laisse vachement au départ. Qu'est-ce que ça donnait l'intermédiaire au départ? T'es à plus 13, mais après tu rattrapes sur tout le monde, t'es le plus rapide dans la deuxième partie. Mais oui, non, mais voilà, au début je suis arrêté, je peux rien faire au début, je peux pas okay. Toucher les freins, je peux pas freiner, je peux rien faire. Si Didier est désabusé, Keke garde lui le sourire alors que Schwartz a du mal à assimiler les réactions et le comportement de sa Celica. Les Toyota se révèlent néanmoins efficaces dès que le terrain est rapide et la pente plus faible. Kankkunen réalise même le scratch, le premier d'une Toyota, dans le col Saint-Raphaël. On a narrow and slippery road when you don't have uphills or long straights or things, the car goes very well and no problem at all. Auriol termine l'étape 5e à 16 secondes du Finlandais. Sur piège, 35 pistes en vite, 5 pistes en vite. Sur notre fond.
Donc, attention, ça arrive en sec. Attention, gauche, on prend sur le droit d'avant, sec. Ah, on se rencontre, attention. Donc, c'est des plateaux. Celle d'avant, c'est un plateau. Donc, tu arrives à compenser, mais c'est dès que ça monte, là, il n'y a pas trop de montée, c'est sur de la glace. Et après, tu as de la descente, donc tu arrives à compenser. Ouais. Mais dès que ça monte vraiment, je veux dire, c'est fini. Dans le clan Mitsubishi, Yagini, tout comme Schwartz, ne parvient pas encore à dompter sa machine. Au contraire, de Mäkinen, troisième à seulement une minute des leaders. Very well, no problems. Few very difficult corner, even a lot of ice and wet, but I was coming very slowly over there. Belle performance d'ensemble des deux Ford, Bruno Thierry réalise même, comme la veille, le dernier scratch de la journée. Avec les spéciales du sud, Delecourt retrouve un nouveau souffle, il revient même au contact de la Subaru de tête. C'est avec 12 secondes seulement d'avance que le leader Carlos Sainz rentre à Monaco. Final comporte 6 spéciales et il se déroule le soir même de l'arrivée du commun. On attend beaucoup du combat annoncé entre l'Espagnol et le Français, mais le premier duel a lieu en groupe N. Alors en tête, Isolde Alderete sur sa Mitsubishi n'abdique que dans l'ultime spécial. Okay. I have to see the whole year because I will do the whole championship in the group N. Yeah. No problem. Okay. Thank you. Le vainqueur, c'est Philippe Camandona qui, sur la Ford, déjà victorieuse en 1994 avec Manu Genot, enlève son premier succès international. Thank you. Le champion suisse profite du dernier contrôle horaire pour féliciter l'Allemande championne du monde en titre. En 2 litres, on attend Philippe Bugalski, mais la Maxi, équipée de clous seulement à l'avant en prévision de l'épreuve suivante, abandonne après le Turini. Sur le routier, je me suis surprendre par une plaque de glace dans un gauche très serré. On a tapé à 40 à l'heure le mur et malheureusement endommagé le triangle avant droit. Et comme l'assistance est interdite entre ces deux points, j'ai pas pu réparer, donc on est contraint à l'abandon ici. Heureusement, Jean Ragnotti répond présent. Il enlève la 7e place et la catégorie 2 litres, tout en fondant beaucoup d'espoir sur sa nouvelle monture. Elle a bien marché, on n'a vraiment pas eu de problème grave du tout. Ouais, si. Et vraiment de petits détails qui vont bien nous servir pour l'avenir. Encore un temps scratch pour Bruno Thierry qui rentre 5e en principauté devant Andrea Aghini. La deuxième Mitsubishi est solidement ancrée à la 3e place lorsque le différentiel lâche, faisant perdre de précieuses secondes à Tommi Mäkinen. We have only rear wheel car. Front doesn't pull at all. There is something wrong with the front. Condamné à rouler en propulsion, Tommi Mäkinen doit céder à la pression d'un autre Finlandais, Juha Kankkunen, qui en réalisant les deux derniers scratchs, subtilise le podium à son cadet. Toyota n'en espérait pas tant car Schwartz renonce moteur cassé tout comme Auriol sur sortie de route. Un Turini où Juha Kankkunen rectifie également la ligne de sa voiture. L'assistance interdite l'oblige à détordre lui-même sa carrosserie.
Reste l'affiche Sainz de Lecours et un Turini qui, comme d'habitude, débute mal pour le Français. Ça se passe bien, il m'en a mis 13, donc ça se passe bien. On verra dans la prochaine. Mais il me paraît en pleine forme, il me paraît être aussi très confiant et ça va être difficile pour moi. Côté espagnol, on comptabilise des secondes après chaque spécial. Le tramo estaba en difficiles conditions, ahora estamos 29 secondes, queda todavía mucho rally por delante. ¿Qué vas a hacer? Seguir igual. Avant même le départ de la troisième épreuve d'entre vous, un amortisseur cède sur la Ford de Lecours. Le sort du rallye est scellé et François perd plus d'une minute dans ce seul chrono. Non, mais il me met au moins... Je voyais les phares de McKinnon derrière, donc tu sais... J'ai l'amortisseur cassé. C'est fini. Tu t'en as pas su avant le départ du chrono? Avant le départ du chrono! Ils m'ont mis 2-9. C'est cassé, c'est cuit, quoi. Il n'en fallait pas plus pour que Sainz remporte sa deuxième victoire en principauté, toujours face à Delecour. Carlos offre sa première victoire à Subaru à Monaco, même si c'est Ford qui prend la tête du championnat, les deux voitures de chaque constructeur étant comptabilisées cette année. L'Espagnol a pratiquement été en tête de bout en bout, limitant au minimum les erreurs de pneumatique. Il est également le meilleur performeur du rallye. Deuxième victoire donc, on peut le souligner, première victoire pour la Subaru, victoire également donc de l'équipe Pirelli.